super petit site de bivouac où vivaient les Incas il y a quelques centaines d'années, avec des sources chaudes. La salle de bain, 30 degrés en permanence. Et voilà le chemin qui mène aux ruines Incas. Eh ben, les Incas avaient la pêche, hein. Ils fumaient pas de clope, je sais pas ce qu'ils prenaient. Parce que grimper à contre-jour comme ça, à plus de 2000 mètres d'altitude, faut avoir la santé, hein. Je vous dis pas. Je sais pas comment ils étaient chaussés à l'époque. On va peut-être découvrir ça là-haut. Voilà. C'est moi. J'espère que vous n'avez pas le vertige, hein. Notre campement du ciel. Tiens, Caroline et Georges, voilà la douche. Oh la vache, j'avais perdu ma petite caméra dans la descente tout à l'heure. Donc, autre abaisse, deuxième ascension, et je vais les retrouver parce que vous voyez ces images. Génial, je suis super content. Je vous embrasse, ciao. Ce matin, c'était comment? C'était bien. Pourquoi c'était bien? Parce que il y avait des douches, des piscines, douches, et je m'amusais, je faisais le crocodile. Le vent frais. Mais j'arrive pas à dire les mots hiver. Vent frais du matin. Vent qui souffle au sommet des grands-parents. Bisous, mamie. Bisous, maman. Mamie. Bisous, mamie. La boca. Ah, papa parle. Vas-y. Qu'est-ce que tu sais? La boca, on est pour la boca. Je filme Yannick qui est en train de se faire filmer. Nous on aurait dû se faire filmer, mais Georges il a fait une petite crise pour sortir du studio.